Et on continue. À chaque fois qu'elle dit ça, elle est assoiffée. C'est marrant, ça. Chaque fois qu'elle dit qu'elle mangerait n'importe quoi, elle est assoiffée. On continue. Bienvenue, bienvenue. On va laisser ça là. C'est bien, ça fait de la décoration, ça aussi. Donc, la dernière fois... Est-ce qu'on va juste regarder l'inventaire 2 minutes. On a beaucoup de charbon, on va aller le déposer. Donc la dernière fois, on est allé chasser. On est vraiment allé chasser avec notre arc et tout ça. Ça s'est très bien passé. J'ai fait tout jeter? Non, j'ai pas fait tout jeter. Si. Si, j'ai fait tout jeter. Non, c'est bon. Donc la dernière fois, comme je disais, oui, ça s'est très bien passé. On a chassé un cerf, on a récupéré toute sa viande, on a récupéré les boyaux, la peau. Et le seul problème, le seul bémol, vu qu'on est bien partout honnêtement, c'est qu'on n'a plus de plumes. Donc il faut qu'on aille récupérer des plumes. Et ça, on va les garder sur nous, ça sera un peu notre assurance si on doit dormir quelque part. Parce que c'est léger. Ça on garde. Il y a une torche qu'on doit détruire, je crois aussi. Ouais, le seul truc bémol en ce moment, c'est qu'il nous faut des plumes pour l'arc, pour les flèches. Et c'est à peu près tout. Les vêtements, ça va. Ça, il faut quoi, du cuir? Il faut du cuir, c'est jeté. Les vêtements, ça peut aller. On a les lapins, les fourrures de lapins. Qui sont prêtes. On va pouvoir aller les crafter. On peut le crafter maintenant. Par contre, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on a des... Bon, maintenant, on a des meilleures bottes. Donc... Mais les bottes... Ah oui, non, mais les bottes, c'est en serre, de toute façon. Donc, il nous faut combien pour le serre? Il nous en faut 2. On en a 2, donc c'est bien, on fera les bottes plus tard. Il nous faudrait faire les moufles. C'est ces 2. Et ça. Et à chaque fois, c'est combien? C'est 3 heures. 3 heures avec le truc de couture. Ok. On peut faire ça. On peut commencer déjà à crafter ça. Je sais pas. On va voir le temps si vraiment il fait trop froid. On a toujours le larc. On avait fait autant de flèches la dernière fois. Alors ce qu'il nous faut, si on sort, il nous faut du bois, il nous faut surtout du bois et des plumes. C'est vraiment tout ce qu'il nous faut là, pour le moment. Donc comme j'ai dit pour les plumes, on peut faire un peu le tour des carcasses et des cadavres qu'il y a dans la région. Il y a un cadavre là-bas par exemple, près des wagons couchés. C'est un loup. On pourrait attaquer un loup. Ouais. Ouais, 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 on peut faire ça. On peut faire ça. Juste qu'il me repère. Allez, du con. Ah, merci. Est-ce qu'on est à côté de chez nous? On n'a pas d'appât par contre. Ok, on va faire ça. Ça c'est chiant par contre. Oh, à côté. J'aurais bien voulu le tuer.
Oh mon dieu, il va loin. Oh, oh non. Faut qu'on aille le finir. Que je veux récupérer les flèches. Oui. J'avais dans l'optique en fait de le tuer à côté de chez nous, comme ça on récupère les plumes facilement, mais bon, apparemment, hein, il en a décidé autrement. Il est allé où ce con? Ah, je crois qu'il a fait ligne droite. J'ai pas déjà envie de perdre une flèche en fait. Il y a un loup là-bas, mais je crois pas que ce soit lui. Les traces commencent à disparaître. Là, je crois qu'il y a des massettes aussi. Ah, il nous fait courir loin. On a perdu les traces. Ah là 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 là. Bon ben... Une flèche qu'on a perdue. Ah, la tour, elle est là. Lui. C'est lui ou pas? Non, je pense pas. On l'a pas touché, hein. On l'a tué. C'est lui ou pas? Je vois pas d'autres flèches. On va faire ça. On va rentrer parce que, par contre, là, je suis en train de jouer un peu avec ma vie. Il fait pas extrêmement froid, honnêtement. Ah, ça m'embête. Ça y est, ça commence. On perd déjà des flèches, quoi. Le truc, c'est qu'il a dû mourir. Enfin, je pense qu'il meurt au bout d'un moment. Je sais pas si... Peut-être que le saignement s'arrête au bout d'un moment. Peut-être que ça va pas être suffisant pour le tuer. En tout cas, pas au niveau 1. Donc il va peut-être vivre, mais la flèche va tomber. Et bon, on la retrouvera pas, quoi. Me demander si c'est lui ou pas. Ouais, non, il n'y a plus le sang. On va aller voir. On va aller voir si c'est lui.
S'il boite, c'est lui. Sinon, non. J'ai pas l'impression qu'il boite. Il est où ce con? Il est derrière cet arbre? C'est lui ou pas? C'est pas lui. Ah là 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 là. Allez, on rentre. Ah, ça m'embête, ça m'embête. On a déjà perdu une flèche. Oh. Quelle merde. On a tué un autre loup qui est méga loin. Qui est méga loin. Après, ce qu'on peut faire, c'est quand on ira chercher la carcasse là-bas, là, la celle qu'on vient de tuer, on récupérera donc la peau, c'est le plus important honnêtement. La viande, on s'en fout parce que de toute façon, on risque d'être malade en la mangeant. Et puis on a de la viande de côté. Après, ce qu'on peut faire, bon, la faire cuire et tout ça, c'est toujours bien parce que ça augmente notre niveau de cuisine, mais... Mais bon, c'est pas, pas nécessaire. Mais la peau, il faudrait la récupérer, la peau. Et on récupérera les plumes aussi. Et avec de la chance, je dis bien avec de la chance, peut-être qu'on va pouvoir repérer des corbeaux si notre premier loup est mort. Et peut-être que de là, bah, on récupérera la flèche. Mais j'avoue que ça, c'est un peu embêtant d'avoir déjà perdu une flèche. Allez, avance. Ça m'embête. Faudrait qu'on aille récupérer des morceaux de bois aussi. C'est où qu'on a... On avait vu des bois pour faire les flèches, je crois. Mais c'était le ravin, je crois bien. C'était à côté du barrage. Donc il faudrait aller retourner au ravin. On peut faire ça, peut-être. On peut faire des expéditions, aller récupérer des morceaux de bois un peu partout. On peut faire ça. Bon, bah, c'était pas fameux, mais on a tué, on a monté de niveau... Ça va, c'est cool. Donc j'avais dit qu'on commençait ça. On va d'abord faire les moufles. Non, on va d'abord faire ça. C'est 3 heures, c'est 3 pots et un boyau. 1, 2, 3. Non, merde, celui-là, il est pas bon. Celui-là. Très bien, il nous faut de l'eau. Il va nous falloir un peu d'eau aussi. On va faire tout d'un coup. Là, on peut choisir le temps, vous voyez? Alors que l'arc, on peut pas. C'est bizarre, j'étais vraiment sûr qu'on pouvait avoir. Voilà, très bien. Par contre, quand vous avez des vêtements en peau, ce qui est embêtant, c'est pour... Ah oui, mais là, ça le montre pas. Mais pour réparer, il va falloir récupérer une peau et des boyaux à chaque fois. Donc ça, c'est un problème. Il fait nuit. Elle n'est pas complètement fatiguée. On a récupéré du bois, on va aller le poser. Je pense qu'on va... Je pense qu'on va ressortir et se balader. Pour aller récupérer encore des choses.
kilos, très bien. Ouais. Par contre, on a perdu beaucoup de vie parce qu'on a chassé un peu. Enfin, on s'est aventuré. Hein. Il fait pas extrêmement froid. Est-ce qu'on aurait le temps d'aller récupérer une peau? Je pense pas. On va voir. Un truc que je voudrais bien, c'est qu'on a la carte. Hein, vous savez, je vais pas perdre du temps à la montrer. On connaissait la carte. Mais ce que j'aurais bien voulu, c'est la tenir dans mes mains et pouvoir regarder au fait aux alentours et en regardant la map en même temps. Genre, ça serait été vraiment bien et ça fait vraiment très roleplay parce que ce jeu se veut un peu roleplay au final. Et vraiment, ça serait utile. C'est ça que ça serait utile parce que là, il faut que je m'arrête, faut que j'aille dans le menu, faut que je regarde la carte. Et c'est emmerdant. J'entends des corbeaux sur la gauche. Et ça, c'est vraiment emmerdant en fait. Droite. Ah, c'est juste des corbeaux qui... Il y a un cerf là. Il y a deux cerfs là. Il y a un loup là. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, il fait froid. Je crois qu'on va aller récupérer la peau du loup. Honnêtement, on pourrait aller chasser le cerf. Lui, il m'embête un peu, en fait, ce loup-là. On pourrait aller chasser le cerf, mais... Putain, connasse. Faut qu'on se soigne. Un truc qu'on peut faire aussi. Corbeau là-bas. Je pense que c'est celui-là qu'on a tué. C'est pas celui-là qui est mort de la flèche. Ce qu'on peut faire avec le loup pour rendre la chose beaucoup plus simple pour l'abattre, c'est. Il va vers nous parce qu'on a les cerfs, ok? Donc ce qu'on peut faire, on fait un combo. C'est de. On se fait pourchasser par le loup. On passe vers les cerfs. Il va tourner son attention vers un cerf. Il va le tuer. Et pendant qu'il est en train de le manger, on lui met une flèche. Donc du coup, on n'aura pas à tuer le cerf. Et on tuera le loup. Et on aura deux cadavres à côté. On va avoir froid. Ah, je crois que ça se réchauffe. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des plumes? T'es sérieux, il n'y a pas de plumes? Merci, saloperie. Ok, on a la peau. C'est le plus important. Ouh, c'est le plus important. Pas de plumes, mais merci bande de cons, de corbeaux. Faut qu'on refasse des bandages par contre. Parce que... on va souvent se balader sur les côtes comme ça pour éviter les bestioles. Donc j'ai pas envie de à chaque fois me perdre... Enfin, de me perdre, non, de me péter une cheville. Et de pas pouvoir me soigner. Ok, il est toujours là-bas, ça va. Oh la vache. Trois cerfs. Si on peut, on va essayer de pousser celui-là qui est devant nous vers chez nous. Ou deux. Non, lui, il va sur la droite.
voyez, là on pourrait complètement le faire, hein, le coup du loup. Hein. Comme j'ai dit, hein, le fait d'envoyer le cerf vers le loup, alors se faire courser, le loup il va sur le cerf. Et après on tue les deux. Si jamais... Est-ce qu'on tente ou pas? Parce qu'elle a froid, elle est fatiguée, il fait nuit. Non, on va peut-être pas tenter de le tuer. On va juste le pousser chez nous. On va juste le pousser chez nous. Ouais, non, il repart un peu vers là. Il y a des corbeaux, j'entends des corbeaux. J'en vois pas. Vous savez que dans 2 ou 3 épisodes, je parlerai toujours de la flèche qu'on a perdue. Hein. Tellement que ça m'embête. Tellement que ça me frustre. On en parlera toujours. Non, je vois pas de corbeau. On va prendre celui-là. C'est bon. Bon ben ça va? Je vois rien, on va directement poser la peau. Ça va? On a récupéré une peau, c'est bien. Il y avait un truc que je voulais poser aussi, je sais plus quoi. Les hameçons, on s'en fout, on devrait les poser aussi. J'avais vu quelque chose que je voulais poser. Ah oui, ça. Le purificateur d'eau. Attendez, je veux juste les mettre avec la médecine. Putain, je vois rien. La fenêtre, elle est là. Comme ça. Normalement, on devrait avoir la porte. Avec le bureau. Ah, oh, putain. Ah, merde, on y était dessus. Ah, j'étais dessus. Voilà. Ah oui, ça aussi, on va... Voilà. Et... Ça aussi. Voilà. Donc, les pastilles là qu'on a récupérées, c'est pour purifier l'eau. L'eau impure. C'est quand vous la faites pas bouillir, en fait. Et une pastille, c'est 1 litre. Personnellement, je les ai jamais utilisées. C'est pas vraiment utile. On va dire que oui, ça vous permet d'aller un peu plus vite, genre vous n'avez pas besoin de faire bouillir l'eau. Donc si vous faites 2 litres, ça vous prend 1 heure pour faire fondre la neige et après 1 heure pour la faire bouillir, bah du coup vous pouvez faire seulement 1 heure. Mais honnêtement, si vous débrouillez comme moi, vous n'avez pas de problème. J'aurais dû manger un peu plus de calories. Voilà, c'est pas vraiment intéressant ou enfin important de le faire, de garder ces trucs là. Mais voilà, c'est là, vous pouvez le faire. Il me reste encore des calories. Oui, de ça. Oh, oh, oh. Très bien, on va boire. On va devoir faire de l'eau dans pas longtemps, c'est pour ça que je voudrais aller récupérer un peu plus de bois. Par contre, avant d'y aller, elle est en pleine forme, on va commencer à créer les moufles. Alors les moufles, c'est 5 heures. 5 heures, c'est 4 lapins de boyaux. 4, 1, 2, 3, 4, un boyau. Deux boyaux, je sais pas lire. Ah, très bien. Ça va sûrement s'arrêter. Ah non, ça s'est enchaîné directement sur la... Sur le lever du soleil, très bien. Parfait. Vraiment parfait. Là. Hey, ça commence à... Hein? Ça commence à être pas mal. Hein?
Là, on avance vite. Vous voyez que le fait d'avoir l'arc, hein, on avance vite. Hein. On fait les choses beaucoup plus vite. On a moins de problèmes. Donc, le prochain truc, c'est vraiment de récupérer des cerfs et des cerfs et des loups, quoi. Faut récupérer ça. Faut continuer à faire des flèches. C'est très important. Et on est à 20 kilos. C'est très bien. Qu'est-ce que je voulais dire en plus? Rien. Pour les bottes de serre, il nous faut deux. On en a deux, c'est ça. Donc les bottes, on va pouvoir les faire dans pas longtemps. Sécher, ok, 35%. Faut récupérer plus du loup. Et des plumes, c'est toujours... c'est toujours la même chose. Ah oui, je voulais regarder le couteau, il a 84%. Très bien. Ok, let's go. On est reparti. Je pense que... Ouais. Je pense qu'on va devoir faire de l'eau dans pas longtemps. Genre, pas cette journée, demain. Demain, je pense qu'on va faire un feu et on va faire que de l'eau. Comme ça ira vite. Ah, on pourrait faire un feu maintenant, vu que y a la... vu qu'on peut faire un feu gratuit. Oh. On va aller se balader quand même. On va aller se balader, il nous faut un peu plus de bois. Ah oui, vu qu'il fait pas trop mauvais, ce qu'on va faire aussi, on va aller récupérer la peau qui est sur la... Il y a une carcasse là-bas, je crois, vers les wagons. Donc on va faire ça. Et si on peut, on va essayer de se faire un loup ou deux. Parce qu'avec les wagons, on peut se protéger. Donc c'est vraiment un bon endroit pour chasser. Beaucoup plus rapide, hein, vous avez vu, hein. Fait les choses beaucoup plus rapides. Oui, là il y a un cadavre. Je sais plus si c'est carcasse ou le cadavre, on va voir. Ce qui est marrant pour chasser dans le jeu, c'est un peu l'inverse. Ouais, il y en a deux. C'est un peu l'inverse. Parce que normalement, quand vous voulez chasser dans la vraie vie, enfin, j'ai jamais chassé de ma vie, mais vous voulez un endroit dégagé, vous pouvez bien viser la proie et tout ça et tirer. Alors que là, vous voulez plutôt des. Des rochers, des bâtiments, c'est tout l'inverse. C'est assez comique dans un sens. D'abord, c'est vérifier s'il y a un loup. Non. Ah non, il n'y a pas de carcasse là. Ah, par contre, on a des plumes. On avait tout vérifié. Une plume. Deux. Trois. Peut-être à l'intérieur du wagon, ça m'étonnerait, mais... Je sais jamais. Non. On avait dessiné ce passage-là, ce côté-là? Donc là, on va plus pouvoir se balader. On va récupérer le plus de bois possible et on se casse et on rentre. Bah, il fait pas trop froid, le temps s'améliore. Mais bon. Bon, bah, tranquille. Tranquille. On va...
On rentre, on fait de l'eau. On va faire de l'eau à l'extérieur pour contrecarrer encore le mal de l'enfermement. Faut toujours penser à ça, en fait. Si vous pouvez faire des choses à l'extérieur, faites-le. Évidemment. On a récupéré des flèches, on va peut-être... des plumes, on va peut-être pouvoir faire au moins une flèche en plus. Donc ça, c'est pas mal. Toujours dégoûté, hein, qu'on ait perdu une flèche. Faudrait en fait que ça soit plus simple pour trouver les carcasses. Alors je sais que, voilà, on peut voir les corbeaux d'assez loin quand même, vous voyez. Et on peut les entendre. Mais je sais pas. Peut-être trouver encore un meilleur... Vous voyez qu'après, au bout d'un moment, on les voit plus, quoi. Et pourtant, j'ai la distance au maximum. Peut-être les entendre plus, je sais pas. Ou alors... J'ai toujours dit, dans le jeu, ça manque, c'est d'un skill de tracking, en fait, de tracker. Où vous pouvez regarder des empreintes et... Plus votre niveau est élevé et plus les empreintes, en fait, restent longues, par exemple, sur le sol. Comme ça, vous pouvez suivre les animaux que vous avez abattus, genre comme le loup là qui a fui, plus longtemps, parce que on a vu qu'il neigeait à ce moment-là, donc c'était vraiment, c'est vrai que c'était pas le moment de l'attaquer, parce que du coup il neige et c'est recouvert de neige après les traces. Mais voilà, ça aurait pu être... je pense qu'un niveau de tracker ou quelque chose comme ça qui rend la chose plus simple avec le temps, pour suivre les traces des bêtes, ça aurait été vraiment cool. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire de l'eau. On va la mettre à l'extérieur, l'eau. Quoique... Je sais pas si ça vaut le coup de la mettre à l'extérieur. Ah si, si, ça fait un feu gratuit. On va faire l'eau, on va rentrer, on va faire la flèche pendant que l'eau bout. Come on, little fire. Ou après on peut allumer le feu ici, prendre une torche, le mettre à l'intérieur. Juste au cas où si jamais il y a un mauvais temps. Ah, on va peut-être faire ça. Perfect. On va peut-être faire ça. Parce que en fait on doit pas vraiment rester dehors, donc bon. Je sais pas pourquoi je fais ça, honnêtement. Une chose aussi que vous pouvez faire, c'est par exemple si vous faites un feu à l'intérieur ou à l'extérieur, enfin à l'intérieur plutôt, vous gardez le feu à l'intérieur allumé, et vous l'utilisez pour faire à manger, à boire, ce que vous voulez. Et ce que vous faites, c'est vous avez beaucoup de bois évidemment. Vous prenez une torche et vous sortez à l'extérieur pour allumer un feu. Et vous le faites plusieurs fois comme ça. Et du coup ça va monter votre niveau extrêmement vite. Voilà, toi pour l'instant on va te laisser là. Très bien. Non, c'est ici. Je crois que j'avais fait une connerie. J'ai 2 heures. Juste un peu plus de 2 heures. Ah, très bien. Donc vous sortez avec une torche, vous allez allumer un feu, vous re-rentrez, vous faites votre cuisson ou ce que vous voulez. Et après, vous faites ça plusieurs fois. Et ça aide. Ah, très bien. Ah, un truc qu'il faut faire aussi, c'est des pansements. On n'en a pas.
Oui, dans 8 minutes. On n'a pas de pansement, on va en faire 4. Bloup, bloup, bloup. Ça, ça a changé. Une heure. Est-ce qu'on va pouvoir avoir assez? Oui, je pense. On fait 4 litres. On a 2 heures. Très bien. Parce qu'au final, les pansements, c'est vrai qu'on les utilise beaucoup. Donc, j'en garde toujours le minimum, c'est-à-dire genre 2 sur moi. Mais c'est vrai que là, on fait beaucoup de d'actions un peu fofolles. Ça va être suffisant? Je sais pas. On va aller faire des fûts de flèches. Ce qu'on peut faire aussi, c'est un autre arc. Comme ça, on n'a pas de problème. Ça peut être pas mal de faire un deuxième arc d'avance, déjà. Alors la plume, on la laisse là, il nous faut encore des plumes. Flèche simple, fût de flèche. On a 5, ça aussi on le rentre. On va déposer l'eau. Là. Très bien. Voilà, on aura un peu, avec l'autre en haut encore, on a quoi, on a encore 4 litres. Donc ouais, non, on a un peu de l'eau d'avance, comme ça on va pouvoir un peu faire ce qu'on veut. Là on pourrait ressortir avec une torche et allumer le feu et tout ça. Mais bon, c'est pas... On peut le faire, mais c'est chiant à faire, ça m'énerve. On a 4 litres qui est en train de se faire. Je pense pas qu'on ait besoin de revenir. On a eu un feu gratuit de toute façon. Donc c'est pas grave, on s'en fout. Enfin, on va le laisser mourir le feu, c'est pas grave, c'est pas important. Ce que je voulais te dire aussi, on aurait dû prendre à manger. Je voudrais aller à la cabane en fait du trappeur. Et je voudrais pas taper dans les. Je voudrais pas taper dans les ressources de ma set. Non, on va peut-être pas y aller maintenant. On va voir. Vu qu'il fait bon. Voilà. Ok, bien, bien joué. Voilà, très bien. Ouais, en fait, ce que je voudrais faire, c'est me balader dans la forêt. Mais à chaque fois, la forêt, en fait, est loin. Et loin d'ici. Si vous vivez là, où on est, le mieux, c'est d'aller pêcher. C'est juste à côté. Le mieux, c'est d'aller pêcher. Mais du coup, c'est vrai qu'on le fait pas. Donc, le mieux, ce serait d'aller vivre dans la cabane du trappeur, honnêtement. J'avoue que vivre là, ça nous... On va dire que c'est au milieu de la map, c'est... Je connais bien la zone, c'est tranquille quoi. Mais c'est vrai que c'est pas optimisé. C'est pas optimisé pour ce qu'on est en train de faire.
Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que je peux me protéger du vent? Ouais. Ok, faut rentrer. Oh la vache, vous avez vu le temps comme il est... comme il a vite changé. Ah, ça, ça fait mal aux vêtements aussi. Bon, bah voilà, c'est bien. On a récupéré des bons morceaux de bois, là. C'est quoi pour réparer la hache? Enfin, la hache, non, c'est l'aiguisé, ça. Je dis pas de bêtises. Oui, c'est l'aiguisé. Parce qu'on l'a utilisé, on aurait pu utiliser la scie à la place. Parce que... au final, la scie, c'est plus simple à réparer. Parce qu'il faut juste des morceaux de métaux. Et bien sûr, une caisse. Donc c'est plus simple à réparer, à la limite. La hache, c'est un peu compliqué parce qu'à chaque fois il faut l'aiguiser. Eau potable, eau potable, très bien. Ah, très bien. C'était quoi où il fallait des morceaux de bois là? C'était quoi? Je me rappelle plus qu'est-ce qu'il fallait faire. Ah oui, c'est le marteau. Le marteau, il faut réparer avec un morceau de bois. C'est ça. Bon bah voilà, c'est bien passé. Serre séchée, serre 42%. On va faire encore un fût. En profiter. Vu le temps, je pense pas qu'on va avoir d'aurore boréale, donc... On a quoi? On a du charbon. Pourquoi j'ai mis le charbon là? Pointe de flèche, on a une plume, on a 8 fûts, c'est très bien. C'était combien de temps pour faire un arc? C'est 6h05. Ah ouais, quand même. Ah oui, c'est vrai qu'on va taper dans les boyaux et on n'en a pas énormément pour le moment. On n'a pas énormément de boyaux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va manger. On va manger, on va dormir, et je pense qu'on va aller se balader vers la cabane du trappeur, je dirais. Je pense que c'est une bonne idée. Par contre, on n'est pas extrêmement fatigué, je voudrais faire quelques trucs. Je vois pas grand chose. Attends, tissu, j'ai vu tissu. Par contre, les HP, il faut faire gaffe aux HP, parce que là, on est quand même en dessous des 50%. Ça va être un problème. On avait dit qu'on les bottes, bon, on va pas les réparer parce qu'on va les changer. Le pantalon aussi, on va le changer dans un sens, mais ça va pas être pour maintenant. On pourrait réparer ça. Ah mais non, on peut pas, il fait nuit. Quoi? Il est pas censé avoir une aurore boréale, c'est pour ça qu'on... Quoi? Je deviens fou, c'est... Depuis quand on peut réparer les choses? Je crois qu'il y avait une aurore boréale, mais avec la tempête, du coup, on la voyait pas. Ouais, 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 je crois que c'est ce qui s'est passé. Alors à chaque fois ça fait 880 calories. Est-ce qu'on mange tout ou pas? Est-ce qu'il en faut à peu près 700? Ouais, on va manger, on va faire un steak. C'est pas grave. De toute façon maintenant on a l'arc et tout, on s'est chassé, il n'y a pas de problème. Voilà.
très bien, on se réveille en pleine forme. Il fait encore nuit. Il fait encore nuit, on a récupéré pas mal de vie. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On sort, on va à la cabane du trappeur. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va prendre deux morceaux de gibier, on va à la cabane du trappeur maintenant. Et à la cabane du trappeur, on va rester un petit moment là-bas. Tout simplement pour récupérer peau de lapin. Je sais pas en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les loups. On peut. Enfin, se chasser dans la forêt, en gros. Genre là. Ouais, on va faire ça. Je sais pas si c'est une bonne solution. J'essaye de. De penser à ce qu'on pourrait faire, mais. Ouais, le truc c'est que je voudrais bien aller, aller combattre l'élan. L'élan est dans un endroit aussi un peu pourri, hein, j'avoue. L'élan est vraiment dans un endroit tout pourri. C'est qu'il est à l'extérieur, il n'y a pas d'endroit vraiment pour se cacher. Et il n'y a pas de camp en fait. Donc à la limite, si jamais on tue un élan, vous savez sur l'autre zone, à Muskegmorn. Le truc c'est que on va prendre la peau et on va partir. Ce qui est dans un sens le plus important, hein, mais c'est pas très très efficace quoi. Did I say I hate being gold? Because I really do. Oui, ils ont refait les paroles, parce que ça, elle disait exactement la même phrase, sauf qu'elle gueulait, en fait. Là, là, elle a plus froid, en fait. Oh, so cold. Il y a combien? Il y a 25 kilos. J'ai pas pris de fait tout. Donc si on fait de l'eau, ça sera des petits morceaux avec le. Donc la conserve, c'est vraiment con ça aussi. Après on pourrait aller. Non, Milton, il faut prendre des cordes et tout, c'est relou. I'm so hungry. Je sais pas ce que je suis en train de faire honnêtement. Je sais pas, on va passer un moment là-bas, on va voir ce qui se passe. Ben, honnêtement, oui, on va voir ce qui se passe. Si on trouve des cerfs, tant mieux, on récupère les peaux. Si on trouve des lapins, on récupère les lapins. Ça nous fera de l'expérience aussi au tir à l'arc. Ouais. Mais ouais, j'ai vraiment envie d'aller attaquer le cerf, l'élan, mais c'est dangereux, hein, c'est méga méga dangereux. Je serais plus safe. Je serais plus serein, on va dire, voilà. Je serais plus serein si on allait attaquer l'élan et qu'on a déjà, genre. Déjà, genre une dizaine de flèches de prêtre déjà. Mais surtout, les bons vêtements et les vêtements en peau de loup pour faire peur au loup si jamais on se fait un peu courser.
Donc ouais. Je suis partant pour y aller, mais je suis pas méga serein. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc on verra ça. Après, si on trouve un élan au lac Mystère, c'est le mieux. C'est vraiment le mieux. Alors, ce qu'on peut faire à la main... Ça... On va se réchauffer, on va attendre. Déjà, on va attendre que le jour se lève, ce serait déjà bien. Voilà, très bien. Pansement non, ça. Oh, on en a plein à chaque fois. Ok, on a un temps de merde. Mon dieu, mais t'es sérieux? Ah oui, on avait... Ah si, il y a un fétou là, ça va. Oui, c'est parce que j'étais en train de penser, est-ce qu'on avait laissé des conserves ou on avait laissé un fétou? Ok, on laisse ça là. Ouais, qu'est-ce que je veux que je... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Y'a rien à faire. On peut rien faire là. On peut rien faire, faut rester à la maison. On peut strictement rien faire. Ah oui, quelque chose qu'on pourrait faire par contre. Ça serait faire des collets. Parce que maintenant on a quelques boyaux en plus. Mais pour ça, il faudrait quand même récupérer plus de lapins. Pour être tranquille avec les boyaux. On a l'air d'avoir un bon temps de merde. Je sais pas pourquoi on est venu ici. je regrette tellement. Je regrette tellement. Qu'est-ce qu'on a d'autre à casser à la main? On a rien, on a plus rien, ça y est. On n'a plus rien à faire à la main. Aïe 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 aïe. Quoique non, on va la garder. Pour le feu, on a toujours tête de massette, on a ça aussi. Alors on va faire ça, hein. Qu'est-ce que je dis ça? Là, on est en train de perdre la journée, quoi. Ça vient juste de se calmer, donc il doit faire encore froid. On va aller voir, mais il doit faire encore froid. Ah, ça m'embête. Ouais. Juste regarder s'il y a des lapins. Il y a des lapins. On a contrevent, c'est la merde.
Tu veux pas t'arrêter? Tu veux pas t'arrêter? Merci. On va rentrer, on va dépecer tout ça. Comme ça on se réchauffe et on ressort encore une fois. On va prendre la peau et ça, on va le faire à la main. Là, très bien. Faire le reste. Ouais, très bien. Parfait. Il fait jour. Enfin, il fait soleil, donc on pourrait faire du feu. Qu'est-ce que c'est que ça? Un ours ici? Ça change la donne. On avait dessiné cet endroit de la map. Non. Ça change la donne, un ours ici. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'ours? Ah, attendez. L'ours, je sais qu'on peut faire le sac de couchage, on n'a pas besoin, on va pas le faire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'ours? Un manteau, mais il nous faut deux peaux. Foire d'élan. Sac de couchage, il nous faut aussi deux. Ces ours portent toute la journée, pourquoi pas vous? Il est lourd et encombrant, mais très chaud et incroyablement solide. Vous aurez du mal à courir, mais si ça se trouve, vous n'aurez pas à le faire. 18% de défense. 60 heures, 39 heures avec le couteau. Je dis pourquoi pas, ça se tente? Est-ce qu'on a assez de flèches? On a 6 flèches en tout. 6 flèches à lui mettre dans la tête. C'est pas énorme. C'est pas... Je sais pas. On tente? On tente, allez. Il vient vers nous en plus. Il vient vers nous. Ah, intéressant. On va rester en embuscade. On est bon. Il fait pas extrêmement froid. On n'a pas de vie, par contre. Faut pas se faire choper. Hein. Faut vraiment pas se faire choper. On va attendre qu'il avance. Et on va faire sortir, rentrer du bâtiment. On va récupérer la peau. On va récupérer les boyaux. Ça serait bien qu'on puisse le tuer à côté du camp, comme ça on le coupe. Et comme j'ai dit, on fera des sacs de viande. Les sacs de viande, je pense qu'on va pas les utiliser. Mais la peau, ouais. Hein. Ça fait un peu loin quand même. On l'a pas eu. Il est là. On peut monter là.
Non, attendez, si on fait ça... Ok, c'est pas mal. On va se mettre là. On va se mettre en hauteur. Le problème là c'est pas le temps. C'est pas la température, mais c'est... Oh, une boîte. C'est le vent en fait. Le vent nous pousse. Ça c'est un problème. Ah, on va pas pouvoir passer. Pas monter sur... Yes. Allez, oh mon Dieu. On n'est pas censé être là. Attends, il est où là? Il doit être juste là. Faut vraiment pas tomber du rocher. Hein. Oh mon Dieu. Ok. Je crois pas qu'il puisse monter là. Il est où? Il est en dessous. Je crois qu'il est juste là. Il est juste là. Il est juste en dessous de nous. Oh, tombe pas. Allez, tu con! Il va où? Sur la droite? Dans la tête. Ok. On est pas mal. On est pas mal. Faut vraiment qu'on le finisse par contre. Joue à gauche. Je voulais pas en fait faire ligne droite quand je vois pas. Ça m'a fait peur, il y a un cerf.
Ah mon dieu, on va où comme ça là? Il y a un bois là à récupérer. C'est pas grave. On verra ça plus tard. Ah oui, il est là. J'ai loupé. Si je... Non, je l'ai touché. On a encore des flèches. Ok, ça va, ça va. On prend ça. Ouf. Il nous reste combien de flèches? Deux, je crois. Ouais, deux. Oh la vache! Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire ça, honnêtement? On l'a touché avec la première flèche, j'ai eu l'expérience, donc on l'a touché. Mais je sais pas si elle s'est collée en fait à lui, ou alors elle est tombée la flèche. Ah, il va vers chez nous à droite. J'étais en train de me demander où on était. On a de la chance qu'il fasse pas extrêmement froid. Oh non, ça commence à disparaître. Ah, il va vers chez nous. Par contre, je vais monter. Je vois rien. Ah, la vache. C'est emmerdant ça. C'est bon, je vois plus le sang. Est-ce que Dantor, ça les fatiguait? Ah, il est là-bas, il est mort. Ça y est. Yes, on l'a eu. On l'a eu et il est pas très très loin. Il est mort de saignement. On l'a eu et il est pas très très loin. Yes, bien joué. On va aller récupérer nos flèches. On va rentrer, on va dormir, etc. On est fatigué là, on n'en peut plus. 1, 2, 3, 4. Dix boyaux, la fourrure, c'est 40 minutes. Il y a 29 kilos de viande. C'est de la viande d'ours, donc on peut pas vraiment la manger. Il n'y a pas d'autres flèches. Hein. Regarde un peu. Non. Du coup, on a perdu une flèche. Non, on les a toutes. Non, on en a 6. On avait commencé avec 6, on en a 6, ça va, c'est cool. On a méga bien géré. Et on a pris un niveau. Je crois que si vous combattez des choses grosses, genre ours, élan et tout ça, je pense que vous récupérez plus d'expérience. Parce que on a monté de niveau en fait avec deux flèches sur l'ours. Alors peut-être qu'on était vraiment quasiment au max, au niveau 2 peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, on a bien travaillé. Si on n'avait pas aussi froid, j'aurais dessiné pour marquer l'emplacement. Bon, du coup, on a plein de boyaux et une peau. La viande, comme j'ai dit, je pense pas que ça va être utile. On pourrait la manger. C'est vrai que si jamais... Imaginons, on tombe vraiment malade à cause de la viande. Parce que la viande de carnivore, en fait, c'est dangereux.
Vous avez le risque de tomber malade. Mais vous avez 1% de chance à chaque fois. La dernière fois, la saison dernière, on est tombé malade avec 1% de chance. Hein. C'est pas rien. Mais on a assez de médicaments en fait pour traiter la maladie. Donc à la limite, ça passe. On va voir. On va voir ce qu'on fait avec l'avion. Ah, de toute façon, on peut pas faire grand chose pour le moment parce qu'il y a trop de viande dessus, il est trop loin. À moins d'avoir un temps superbe pendant je sais pas combien d'heures, on va rien pouvoir faire. On va vraiment rien pouvoir faire. Ou alors, on peut toujours faire du... Il y a un truc que je fais rarement, c'est faire du feu en fait. À côté de l'endroit où on doit... découper la bestiole et tout ça, on peut toujours faire ça, mais bon, voilà, c'est emmerdant parce que si le vent se lève, du coup le feu s'éteint et tout ça, ça reste toujours dangereux. Ça s'est super bien passé. Donc la prochaine fois, on va aller récupérer notre récompense.